Have you ever felt? Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec un petit peu de tout. J'ai du MS Mod, j'ai du Stokomanie, j'ai du Nose surtout. La grande majorité c'est du Nose. Donc on va commencer tout de suite avec Nose, hein, justement. Je me suis pris un petit calepin pour offrir à une amie qui vient d'avoir une petite fille. Donc en fait, ça souhaite la bienvenue au bébé et donc ce sera quelque chose qu'elle pourra garder pour la petite. Donc ce sera cool et puis... Et puis comme ça, il y a des petits mots tendres à l'intérieur qu'elle pourra lire quand elle sera plus grande. J'ai trouvé ça super gentil. Moi, j'aurais bien aimé qu'on m'offre ça pour Hugo. Donc voilà quoi. Tant de confiance. Petite chérie nous tend les bras et nous sommes subjugués car elle nous accepte sans condition. Personne ne mérite tout cet amour, toute cette confiance. Ce petit enfant nous regarde avec les yeux de l'innocence. Il nous voit comme nous devrions être. Donc je l'ai trouvé, malgré le fait que ce soit un cadeau un peu livre, etc., que ça peut ne pas plaire à tout le monde, je l'ai trouvé hyper philosophique, hyper dans le pathos, donc ça m'a beaucoup plu. Et donc moi, comme je vous dis, c'est un cadeau que j'aurais aimé avoir, donc je l'ai acheté. Ensuite, j'ai pris un carnet de remèdes naturels, donc ça c'est pour noter mes remèdes, voilà quoi. Et c'était inclus dans ce livre-là, « Se soigner au naturel ». Que je vais certainement potasser, histoire de voir un petit peu des sujets de vidéo, voir si il y a des choses intéressantes à vous dire, des petites choses que j'aurais testées, que je penserais être bien ou pas bien, et puis on verra bien. Donc c'est du docteur Jean-Christophe Charrier et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Elle n'a pas un nom à rallonge non plus. Donc voilà, il y a le carnet de remèdes naturels, donc on note tout pour ne rien oublier. Ensuite, j'ai racheté... dans la même lignée, donc celui-là il m'a coûté, alors normalement il coûte 39,90€, mais je les ai eu à moins 60%, donc je peux pas vous donner le prix là, je l'ai pas, j'ai pas le ticket de caisse, donc je sais pas où il est. Ensuite j'ai pris mes recettes de beauté aux fruits et aux fleurs, donc celui-là il m'a coûté 99 centimes. Ce sera aussi, à la base il coûtait 8,90€, et ce sera aussi l'histoire de découvrir ce que les fleurs ont à nous offrir aussi dans des lotions, des crèmes, masques clarifiants à la papaye, mousse nettoyante au citron. Ça peut être plutôt pas mal, c'est sûr que si c'est des choses qui sont pratiques et utiles, j'en ferai certainement des vidéos. Voilà, tout simplement. Ensuite j'ai pris 2 livres pour Hugo, ils sont... top. Donc ça c'est Wawa le chien, hein, tout simplement. Quand vous ouvrez, vous avez des choses à soulever, vous voyez, comme ça, et on vous dit en fait où est cherche quoi, Théo se trouve, Théo ne trouve pas Samba le chat, où peut-il bien se cacher. Et en fait, quand vous soulevez la bonne cachette, voilà, ça vous fait le bruit. En fait, c'est un capteur qui vous fait le bruit du truc, quoi. Donc là, pareil, ça doit être ici aussi. Voilà, et ça vous fait les bruits des animaux et tout. Et j'ai trouvé ça génial pour Hugo. Normalement, ils sont à 15,95€. Et j'ai dû les payer 6 ou 7€, donc j'en suis ravie. Et Hugo les adore. Donc moi, quand Hugo adore, je ne peux qu'adorer aussi. Et j'ai pris Cache-Cache Sonore, donc le Ra-Ra, un livre musical avec le lion. Voilà, et pareil, il fait des bruits un petit peu. Alors celui-là, il a morflé parce que Hugo, il, s'est... Voilà, il adore l'éléphant. Alors du coup, voilà quoi. Il l'a un peu tordu dans tous les sens. Mais en même temps, pour le prix, je veux dire, il peut très bien s'amuser avec. C'est le but de la manœuvre. Et j'ai aussi acheté chez Nose ce jeu à boire, en fait. Parce que, voilà, dans les soirées et tout, c'est surtout super rigolo. Donc, jeu à boire, drinking game, un parcours infernal, un plateau, 4 verres, 4 pions, 1 dé. Prêt à mettre l'ambiance, voilà. Et donc, ça se présente comme ceci. Et en fait, il y a plein de cases. Et en fait, alors, fais le tour de la table à cloche-pied, bois à ta guise, relance le dé. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Mime un animal, passe ton tour et va en prison, bois ton verre sans les mains, retour en arrière. Enfin, c'est vraiment pas mal, il y a vraiment des choses. Ton voisin de droite vide son verre. Enfin, voilà, c'est un jeu à boire, quoi, tout simplement. Et ça, je l'ai pris pour Sébastien, et il était à
Bon, il n'y a plus l'étiquette dessus parce que j'ai voulu le retirer pour pas qu'ils sachent. Donc je ne sais plus le prix. Mais bon, voilà, tout simplement, c'est un petit cadeau que je voulais lui faire parce qu'on a beaucoup de soirées entre amis et tout. Et donc c'est super sympa de faire ça en général. Pour finir chez Action, je me suis pris des lotions toniques pour calmer la peau. Voilà. Notamment pour après mes séances de roulette là. Essayer une marque bio Ecocert qui s'appelle Naobe. Je connaissais, j'avais vu sur Beauté Privée quelque chose comme ça et la lotion était à 1,99 donc autant vous dire que là j'avais pas les frais de port à payer donc j'en ai pris deux. Hein, histoire de bien tester. Donc si c'est pourri, je vais le mettre dans mon bac de projet Ten Pans. Et si c'est bien, à mon avis, faut que je le teste rapidement parce que je veux pas que ça s'en aille chez Noz sans que je puisse savoir s'il faut que je fasse des stocks ou pas. Vous comprenez le truc? Donc voilà. Ensuite, on passe à Stockomanie. Et donc, je me suis pris des gros mugs à thé comme ça parce que vous savez que j'adore le thé. Ils m'ont coûté 1 euro. Un petit euro. Un petit euro, Yamou Doudou. Ah, j'essaye d'ouvrir la boîte. Il y a du plastique. Alors, c'est un gros mug, il est énorme. Avec son capuchon. Et il y a. Attends que j'ouvre. Et la petite cuillère qui va avec, qui se met ici. Voilà. Et ça, c'est des trucs, ça vaut peau des fesses. Et je l'ai eu 1 euro. Voilà. Et il est énorme. Regardez ma main. Il est énorme. Il est énorme. Je fais pas le tour avec mes doigts, quoi. Enfin, si. Ouais, j'ai du mal quand même. Regardez. Ça veut pas. Ah, ça veut pas. Ah, si, ça fait. Bon. T'as compris le truc, quoi. Il est énorme. Et franchement, j'adore. Donc je l'ai payé 1 euro et j'étais ravie et j'ai foncé dessus. De toute façon, ma mère elle m'a regardé, elle m'a dit, tu vas prendre que ça? Genre, tu vas dépenser que 2 euros dans le magasin? Ouais. Franchement, il n'y a que ça qui me. C'était vraiment l'occasion qui faisait de la ronde. On y allait pour rien, quoi. On n'avait rien à acheter. Et voilà, et comme d'habitude, moi, les fringues, non, tout ça, non. Mais alors ça, waouh, j'étais contente, vu comment ça coûte la peau des fesses. Et ensuite, et dernier achat que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui, c'est un achat MS Mode. Donc il y avait moins 1% sur les vestes là la semaine dernière. Enfin la semaine dernière non, pour le Black Friday aussi, mais la promo elle s'est étendue un petit peu. Donc sur toutes les vestes en fait, il y avait moins 20%. Donc j'essaierai de vous mettre une photo là du site pour voir comment elle est portée. Elle coûtait en gros 60 euros et je l'ai eu à 47,99 euros. Donc c'est hyper bien. Donc c'est une simili-cuir comme ça, vous ne verrez strictement rien. Avec un col donc en noir, avec à l'intérieur un peu une fourrure, avec un col triangle. Et ici, vous voyez, en fait, c'est dentelé. Tout simplement. Donc je vous mettrai quand même la photo ou là, de ce que c'est censé rendre sur moi, mais que ça rendra pas quand même pareil. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis me commenter pour me dire si vous avez ces produits, si vous en avez été ravi ou déçu. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao! Are you listening? Damn.